Bonjour, bienvenue au Musée de l'Histoire Naturelle. Qu'est-ce que vous voyez dans ce musée? Des retours, des expositions, des animaux. C'est des animaux, d'accord? Parce qu'il ne faut pas confondre musée et muséum. C'est deux choses quand même bien différentes. Muséum, on rencontre des animaux. Et vous voyez ici, on a voulu faire cette exposition pour ne pas pour dire que le requin, il est méchant. Ce n'est pas ça du tout. On a voulu faire une exposition pour montrer le requin dans son milieu naturel sur la biodiversité de requins. Pointe noire, pointe blanche. D'accord? Et ça, c'est le requin? Le requin tigre. Alain Dominique, hein, je vous présente. Je suis agent de médiation au Muséum d'Histoire Naturelle. Et donc, voilà l'exposition qui se trouve ici. C'est une exposition temporaire. Et nous avons sur l'exposition le requin et son milieu, c'est-à-dire la diversité du requin dans ce milieu naturel qui se trouve là, de ce côté. Nous avons aussi les mâchoires de requin, le requin et l'homme. C'était bien et en fait les requins ils sont pas méchants, c'est juste nous en fait, on les envahit on va dire. Mais en fait c'est comme chez eux, donc c'est vrai qu'on les dérange. Oui, ça m'a plu parce que j'ai appris que déjà nous on avait que 5 sens et eux ils en avaient 7. Le sixième c'est un peu une sorte de détecteur qu'ils ont on va dire pour détecter les proies. J'ai appris que l'exposition il ne faut pas attaquer les requins sinon ils vont nous attaquer, ils défendent leur milieu naturel et voilà. J'ai appris que les requins ont plusieurs dents, ils ont des dents, après encore des dents derrière leur bouche parce que eux ils n'ont pas de dentiste, alors quand 7 à 7 dents cassent, il y a d'autres qui les remplacent et qu'ils sont en voie de disparition. À bientôt.